Le matin. Stéphane Carpentier. Bonjour Thomas Eevenou. Bonjour. Député PS de Saône-et-Loire, vous avez planché depuis maintenant un bon moment sur une proposition de loi qui arrive dans quoi une heure 10 à l'Assemblée nationale, Exactement. on est d'accord. Euh, sur ce fameux bras de fer guéguerre entre les VTC et les taxis, ça dure depuis. Euh, on a l'impression d'éternité en tous les cas, ça nous a fait toute la saison euh, cette rivalité. Qu'est-ce que vous allez proposer de concret d'abord c'est vrai que 2014 est une année un peu spéciale pour les taxis. D'abord, c'est le centenaire des taxis de la Marne. Nous allez recevoir le gouverneur militaire de Paris dans quelques minutes. Et à l'époque, le gouverneur militaire s'appelait Gallieni. Il avait réquisitionné des taxis. Qui avait euh, sauvé la République. Euh, on en est loin maintenant. Hein on est en 2014, un siècle plus tard. Et moi, ce que je propose dans cette, euh, dans ce texte qui va être examiné dans quelques minutes à l'Assemblée nationale, c'est de moderniser l'activité de taxi. Le taxi est un métier d'avenir, à condition qu'on lui donne les armes d'aujourd'hui, notamment la géolocalisation, qui permettra à chacun. De voir quels sont les taxis disponibles autour de soi grâce à son smartphone. Et ça, Utiliser sur la, la, base la révolution du volontariat, c'est-à-dire exactement les taxis qui sont okay, hein. sur la base du volontariat, et c'est l'État qui va mettre en place une plateforme numérique. Ça coûte 200 000 euros, donc euh, vraiment rien. C'est une proposition de loi qui ne crée pas d'impôt nouveau je le dis qui ne crée pas de taxe on trouve une solution à un problème sans créer une taxe et on offre la possibilité au taxi de se géolocaliser c'est à dire qu'on rapproche le client du taxi on transforme en quelque sorte nos smartphones. En des stations de taxi euh, virtuelles, ça modernise euh, l'activité de taxi, ça donne du chiffre d'affaires et de l'activité au taxi. Parce que c'est ça qui coïncide on est nombreux à dire toujours, par exemple à Paris, mais il n'y a pas qu'à Paris, qu'on trouve jamais le taxi en tous les cas quand on en a besoin, quand on est dans la rue. Et c'est pour ça que les gens sont tournés beaucoup vers les VTC. Hein. Alors je rappelle les chiffres. En 2007, 15 000 taxis. Aujourd'hui, 20 000 taxis. Et dans les 18 derniers mois. Euh, sont apparus les VTC, 4000 VTC à Paris. Donc le marché a été déstabilisé. Il faut donc moderniser les taxis, mais en même temps poser des règles du jeu pour l'activité de VTC. Moi je suis pour la concurrence, la concurrence est là du bon, à condition qu'on respecte un certain nombre de règles du jeu. Donc ma proposition de loi, c'est un équilibre subtil, c'est vrai, entre... Modernisation du taxi et réglementation du VTC. C'est comme ça que tout le monde trouvera sa place, que tout le monde pourra se développer et qu'on pourra créer des emplois. Alors, vous allez demander à ce qui est une couleur par taxi et par ville. Chaque municipalité pourra choisir. En gros, je résume, ils seront verts à Lyon, jaunes à Nice et peut-être noirs à Paris, comme à Londres. Qu'est-ce que ça, concrètement, ça, ça peut changer quoi Non, je ne sais pas s'ils seront verts, jaunes mmh. ou roses bonbons. Parce que faut pas oublier que le taxi, en France, c'est aussi le véhicule de la famille. C'est-à-dire, le taxi, il part en vacances avec son taxi, avec son véhicule. Donc ce que je propose, c'est une couleur sombre. Le modèle que j'ai en tête, c'est le modèle bruxellois. Des taxis noirs, élégants, avec une bande magnétique d'identification qui pourrait être justement régionale. On pourrait imaginer, par exemple, pour Paris, des couleurs bleu et rouge avec la tour Eiffel, cette histoire de couleur est très importante. Dans tous les pays du monde, les taxis sont mieux identifiés. C'est comme ça aussi qu'on va redonner de l'attractivité aux taxis, et en particulier aux taxis parisiens. Qu'est-ce qui va changer pour les VTC dans votre proposition de loi, en tous les cas C'est choses structuré, encadré, parce que c'est ça, c'est cette concurrence déloyale qui était mise en avant par les taxis. Hein. Exactement, on, on a créé les VTC sans poser les règles du jeu. Des règles du jeu simples, l'assurance du véhicule. Euh, être sûr que le véhicule est assuré. Les capacités professionnelles euh, pour euh, les chauffeurs. On confie quand même sa sécurité pour un laps de temps à quelqu'un. La moindre des choses, c'est qu'on ait un certain nombre de garanties sur euh, la capacité professionnelle euh, de celui qui nous euh, conduit. Et puis, je rappelle euh, les interdictions de maraude aux abords des gares et des aéroports. Aujourd'hui, le système fait que quand vous arrivez dans une grande gare parisienne ou, grand, ou un aéroport, vous avez des gens qui racolent, des gens qui maraudent, euh, des véhicules en double fil. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça donne une très mauvaise image de la France, notamment euh, pour les touristes. Donc là aussi, je pose des règles du jeu. Vous pensez qu'on va s'en sortir de ce conflit Vous êtes plutôt optimiste. Vous avez déjà des premiers retours. On sait que les taxis vont venir se rassembler pour manifester autour de l'Assemblée nationale tout à l'heure dans la matinée. C'est plutôt positif ce que vous savez, vous Écoutez, en, en, en février, quand j'ai été nommé parlementaire en mission par le Premier ministre, il y avait des blocages, des grèves, mmh. le périphérique était bloqué, des interpellations, des violences entre eux. Aujourd'hui, euh, j'ai entendu dire qu'ils allaient passer du côté de l'Assemblée pour un petit concert de klaxon. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de mouvement de grève, pas de blocage de Paris. On a beaucoup avancé grâce aux taxis et au VTC que je veux remercier parce qu'ils ont accepté de dialoguer. C'est important le dialogue social, surtout dans la période actuelle. On avait beaucoup parlé de la carte bleue obligatoire dans les taxis. Ça, ce n'est pas dans vos propositions Mais c'est un amendement que je dépose ce matin. Ah, voilà pour l'info. Merci à vous d'être passé. Carte passée. bleue obligatoire. Il faut s'y mettre et moderniser les taxis de France. Voilà les taxis qui écoutent RTL ce matin et qui savent tout, et les usagers également qui en savent un peu plus. Merci à vous, bonne journée, et bonne journée à l'Assemblée nationale, évidemment, ça va être animé.